mettre le sac à dos avec le costard parce que ça fait dégueulasse. Hein. Paname, direction Paname. T'as filmé la coupe à Fodé ? Swag man. Il y a deux dossiers, mais il y en a un où il n'y a rien dedans. Il n'y a qu'un dossier. C'est porte 16 à l'étage, 3 dans la liste. Merci. Bonne journée, bon voyage. Vous avez dit, ça parle. La fermeture des portes de l'avion. Prenez soin d'éteindre votre appareil avant de le réessayer. Oh, ce soir, il y a un petit match encore. On a de l'argent. Filme Younes. Filme Younes. Moi, je me suis inscrit au Stade de France. Stade de France. Si, je m'entraîne. Ah bah oui, tu vas pouvoir bientôt. À 8 ans, tu peux jouer. Tu connais le foot de rue ? Ouais, je connais. La foot de rue, mais aussi, tu nous expliques le truc de foot de rue là. Les règles. Comme, ouais, la passer pas en dessin animé, c'est en vrai là. C'est du jeu au foot de rue. Et ouais. Au revoir. Ah, on sera dans la caméra. Au revoir. Ça a l'air sympa, le cadre est magnifique. Tout le monde travaille la finale. Et c'est, donc, tout est en pente. On est calme. Là, tu fais des repérages pour la séance de demain ? Demain matin. Et là, t'as une idée de ce qu'ils vont faire et... Ouais, ce qu'on veut faire, ouais, mais bon. Le terrain s'y prête pas trop. Je vais voir là-bas, mais bon. Faire un taureau, des trucs comme ça. Si il y en a un qui est comme ça, l'autre qui est comme ça. Pas terrible. T'as soif, Tina ? Hein ? Je suis bien. Ça la manque. Ça va ? Il en manque deux. Tu suis le match en direct, là, de France. Hugo. Hugo Connection. C'est comme tu as c'est placé ça. Nous on bouche les trous, gros. Tu le sais. Ça, ça est. Voilà. Il a juste à ça, toucher. C'est, ça, ça mange pas de pain. Il va aller là. Bon, je vais pas jouer. J'ai plus de stage.
Mais ouais, tu vois. Moi aussi. Tu vas pousser ou... Hein? Pourquoi c'est comment là-bas? Ça ressemble un peu à moi. Même on va d'abord. Sinon, je l'aime bien passer là-bas, tu vois. C'est un coup tactique, Pascal. Je sais. C'est du haut niveau. Bon, après, il a fait une erreur. Hein. Il a payé cash. Il a payé cash. La pression. Il pouvait terminer. Et le score, il n'a pas fait. Tu vois, c'est facile. Celui-là, on dirait le truc de la Squadra, celui-là. Pas mal, ça. Ouais. Non. Pas mal, ça. Pas mal. Et gros, je veux jouer. Tu veux un peu dans le même esprit que celui-là, tu vois. Vas-y, j'arrive, bon. Pour la pêche. Le diable trop, celui-là. Pas mal, hein. Oh, mais faut mettre celui-là pour s'échauffer. Je fais les choses bien, je trouve. Ouais, franchement. C'est un peu, t'as essayé, c'est un peu cintré ou pas? Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Ils ont pris large, il y aurait pas. On peut le faire retoucher, si tu veux. Ouais. Il y aurait pas. Il y aurait pas fallu XL parce que trop large. Ça, c'est quoi? 3-1. Champion. C'est qui gagne là, Younes? Ouais, il m'a gagné 13-0 la première. 13-0? Là, je suis à 3-1, quoi. Il est obligé de tirer. Younes, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur de foot. Bon, ok, au boule, ça se dit. En plus, comme il tire bien, tu vois, il faut que je le fasse tirer. Il s'est fait plaisir. Voilà, tu vois, là, il va tirer. Il s'est fait plaisir. Il faut lui donner deux fois. La vache! C'est comment tourner? Et tu sais, normalement, c'est chaussures spéciales pour faire le bowling. Ouais. On va voir une claquette, le bowling. Tiens, ouais, tu vas devoir retirer une autre fois. Ouh! C'est bon, Guillaume, c'est un artilleur. On va le prendre pour aller à. Allez, j'avance tout doucement, mais j'avance. Allez, 3. Cette match, Benji. Alors qu'est-ce que tu as pensé de Gary Vaucallier en tant qu'adversaire? C'est un joueur assez combatif qui a beaucoup de valeur. Malheureusement, il n'est pas encore au niveau et j'espère qu'il va travailler pour que les parties soient un peu plus endiablées. Je demande à mon supporter, j'ai mes fans. C'est moi le plus fort, non? Hein?
T'as pas voulu mentir en fait. Coco, t'as le look. Bon, les gars, pour changer un peu, on va se mettre sur du souple. Hein. On va faire comme d'habitude, eh bien, faites gaffe quand même, hein, parce que c'est du dur de ne pas, se bloquer. N'attaquez pas trop. Hein, restez festif, amusez-vous, prenez du plaisir, n'allez pas vous filer en l'air. Hein, d'accord. Tu vas vous mettre au cap. Non. Le mec, il est prêt. Il est avant, il est à côté. S'il vous plaît. Pardon. Merci. Comment, gros? On est là, il va comme ça, il faut poser là. Il fait ça. Voilà, t'as fait exactement ça. Oh, il a pas fait ça, tout ça. Soul, tout en finesse, il avait ça. Voilà. Non, il y a 10. Merci Nico. Il faut passer loin. Hein. Oh, bon, bien appuyé. Je sais pas si tu devais la manquer ou t'as fumé les petits ponts ou pas. Teddy Mézag, Nicolas Girard. Moi, j'ai une idée. Elle se remarque sous. C'est pour ça. Tout seul, t'es une dinguerie à toi tout seul. C'était pas mal le taureau. Moi j'ai mis mon petit pont. Il est passé en plus, il passe même pas. Ah, tu sais quoi, il n'y avait même pas de place. Il a pas fait exprès. Ah, il a pas mis de forme.
fermé. Du coup, tu cours, toi aussi. Regarde. C'est une ambiance secret d'actualité. Allez, micro. Sympathique. Essaye devant. Vas-y, viens, on fait l'aide d'honneur. Allez, là, t'es bientôt arrivé, gros. Tiens, prends-le, gros. On relâche, on se met debout. Allez, on finit par les mollets et les hanches. Je vous fléchis d'abord. On tend et on descend. Non, pour le retard. Le côté. Et comment ? Et toi ? On relâche les gars, on assouplit les hanches, on finit. Go. Hey Younes. Pour le nul. Oh, une fleur, hein. Non, pas de ça. Ah, tu te rebuquais les cuisses là. Eh oui, il était. Ah, c'est ça, il était. Il se quoi, il contacte. Il vient quoi ? Il vient toucher. De balles. Entraînement ce matin. Voilà, ça fait du bien. Le voyage a été long quand même hier. Donc ça fait du bien de se décrasser un petit peu et voilà, de profiter en plus du cadre. Il y a vraiment des belles installations ici. Entraînement ludique. Ouais, ludique, bah comme d'habitude, 48 heures avant le match. C'est plutôt axé sur la récupération, sur le côté voilà, ludique. Bon, on a fait un petit taureau, on a bien rigolé, on s'est un petit peu détendu. On sent qu'il y a une bonne ambiance, c'est une manière un peu d'évacuer la pression ou pour l'instant c'est encore loin ? Non, l'ambiance elle est bonne depuis un moment, mais là ça fait du bien aussi d'être un peu à l'extérieur de Montpellier, d'être dans un cadre différent. Voilà, je pense qu'on est tous impatients et on aborde ce match avec la bonne humeur. Merci Joris. De rien. Il vaut mieux que tu mettes la charge au départ et que tu le fasses démarrer que de faire comme il faut. Au fur et à mesure où tu mets du poids. Au fur et à mesure, hein, sur un traîneau et monter les jambes. Non mais l'abourrage, ça doit être labouré, ça doit être génial. Ouais. C'est pas évident, hein. Avec la guide autour du cou, là, en bandoulière. Hein. Tu t'es rendormi, Fry. Donc ça, le corner où on prend le but, je sais pas s'il y en a d'autres au coup de pied arrêté, il faudra les regrouper. Ok. Hein. Ouais, donc si j'ai mis intéressant, là on... Tu mets tout simplement, tu mets récup, densité, voilà, récup, densité ou pressing. C'est toi et moi, mais on est comme ça. Hey, moi je vais, bam, tu es une grosse gifle. Chacun son tour. Et tu vois, il y a un petit gringalet, tu vois, il est chaud et tout, il y a ses potes sur un côté. Il va un genre de gros bizarre, un genre de Fidjien, frère, un genre de Fidjien, tu vois. Il l'a buté, il fait BAM, tous les potes, oh, il rigole et tout. Une main, frère. Ah ouais. Une main, un truc de ouf, ouais, gonflé, frère, un bon chocolat. Il y va, frère. Il fera même pas de... Parce que là, tu vois, l'autre, il prenait son élan et tout, tu vois. Il était comme ça. Par terre, il a couché KO l'autre. Il se relevait plus. Il faisait oh. C'est ça qu'on écoute ici, Tonton. Yori Yori. Oh, Fodé. Yes. Essaye de revoir le Stade de France que tu avais vu là il y a 2 ans, mais en étant blessé. Ah oui, pressé, parce que la dernière fois où je suis allé, j'étais blessé, donc là je suis en pleine forme et espérons qu'on ramène la coupe à Montpellier. On va soulever la coupe à Paris quand même. Putain, grave à mort, en plus chez moi, laisse tomber. Faut qu'on la ramène cette putain de coupe. Allez.
qu'un seul mot, la régularité. C'est toujours fait, c'est pas pour montrer Pierre pour le joueur que tu... on peut pas mettre toutes les actions. J'ai choisi qui me paraissent les plus marquantes. Et à travers ça, c'est de... Ben, quand on va se retrouver dans des situations comme ça, c'est essayer un petit peu de le gommer. C'est toujours intéressant de voir tout ça. Lounès, pour l'instant, on est bien. Romain, là, regardez, on trouve encore l'intervalle. Ouais, d'une passe, il élimine trois garçons, presque quatre. Hein. On est nickel, les mecs. Hein, Jo se retrouve par rapport à chez vous. Romain, bien placé. Younes, par rapport à lui, je veux dire, il n'y a pas danger, au contraire, on découvre la trajectoire. Dans l'axe, on est pas trop mal, les gars, on est bien alignés. Voilà, puis après, on va revenir. Il hésite, donc ça lui fait perdre du temps. Mais là on est on le voit, hein, dans le positionnement, on est bien. Là on est pas trop mal, les gars. L'important, c'est d'y rester. Et ouais. Allez, on enchaîne. Il y a une succession de petites fautes qui font que, arrivé, regardez, vous voyez le ballon. Hein. Succession de petites fautes. Hein. Succession. C'est vrai que. Il avait du choix, c'est moi qui. Regarde. Là, il est bien à la surface, moi. Là, il est là. C'est ça qu'il faut qu'on fasse plus vite, d'entrée on fasse plus vite. Là on revient, comme il dit Olivier, tu reviens et tu vois pas tout. Tu reviens, tu fais dans l'urgence, tu vois pas tout. Qu'est-ce qu'on retient d'une séance comme ça, après avoir joué il y a quelques jours face à Marseille? Bon, déjà de la frustration parce que... Si on voit le match qu'on a fait, on est un peu déçus, mais bon, aussi on apprend aussi sur des erreurs qu'on a pu commettre et des points faibles de l'adversaire aussi. Oui, c'est sûr, c'est une source de se remettre en question. L'ensemble de l'équipe, comme on a vu avec le coach nous expliquer sur nos placements et sur les différents ballons qu'on peut mieux utiliser. J'espère que ça va nous servir pour samedi. Depuis qu'on est arrivé, on est un peu tranquille, on peut dire. On rigole et là c'est bien pour qu'on rentre bien dans le match. Ou 11 points. 11 points, deux salles chacun. Vas-y, ça va aller vite. Parce que tu m'as respecté. Allez, vas-y. En 11 points, deux salles chacun, c'est parti. 1-0. Ah, balle de service, il n'y a pas de balle de service. Non, c'est toi qui servais. 1-0. Ah ouais. Ouais. Ok. De 0. Tu vois, tu rigoles. 3-0. Tu chambres, c'est pas bien. 10-0. Ah bon.
Tu as vu la Fanny là? 11-0 gros, c'est fini. En Fanny là, tu viens de prendre Fanny. Special moment, you know, sort of like coaching. But we have to live together, not to think, not to punch high when you come, but dream about the future. Mm. Good words. Yeah. Mais on sait pas depuis quand. Et là, quand il y a eu le geste, ça a commencé en fait. Tu vois, le geste, ça a forcé et limité quoi. C'est des massages de récup qu'ils font habituellement le jeudi, donc on est jeudi. Donc il y a eu entraînement léger ce matin et après c'est récup, donc ceux qui veulent se faire masser se font masser. Donc Gary se fait masser, puis après il fait 2-3 mouvements qu'il a l'habitude de faire. Massage de récup, voilà, il y a passe de 20-25 minutes à peu près. On n'oublie pas les quadrilles. Voilà. Toi en fait Gary, c'est quelque chose que tu fais régulièrement les massages? Ouais, quand on sort les jambes un peu lourdes. Donc on profite, on a des staffs qui est là pour nous aider à mieux récupérer. C'est pas toutes les semaines toi, mais bon, c'est... Non, ça dépend. On va dire 2 semaines sur 3, quoi. Ouais. Il a un peu de la chance parce que c'est un architecte le type, tu vois, un peu. Il dit tout ce qu'il va faire avant, mais ça réussit pas. Et là, soudainement, il y arrive, quoi. Voilà, ça va. Elle représente déjà beaucoup de choses. Pour moi aussi, pour le club. On est à quelques heures maintenant d'avoir un titre. Pour le club, ça serait grande chose, quoi. Un titre dans ton palmarès, quand tu as un titre, ben, voilà. Tu peux dire ouais, j'ai gagné la Coupe de la Ligue. Donc oui. C'est vrai que, et pour même la ville de Montpellier, avoir ce titre de Coupe de la Ligue, ça serait très bien. Ouais, du Masponnet. Ouais. Voilà, qu'est-ce que ça représenterait justement d'écrire ton nom dans l'histoire du club de ta ville? Ça serait grande chose, c'est sûr. Que le chemin il a été long, même très long. J'ai gravi les échelons petit à petit avec le centre de formation et tout ça. Et c'est vrai que maintenant, pour avoir l'opportunité de gagner un titre avec son club formateur, c'est formidable. Mais bon, il reste un match contre Marseille qui ne sera pas facile du tout et on va tout faire pour gagner. On est un peu stressé vu que voilà, y a un enjeu assez considérable. Mais sinon après, on n'a rien à perdre. C'est déjà beau d'être arrivé jusqu'en finale. Mais c'est sûr qu'une finale, eh ben, ça se gagne, quoi. Si tu ne gagnes pas la finale, eh ben, après... C'est sûr qu'une finale, quand tu joues une finale, c'est pour la gagner. Sinon après, t'as rien au bout, t'as pas de trophée. Et c'est là où la déception peut être plus grosse. Quoi. Autant oui, que l'adversaire va être redoutable. Mais bon, Marseille, on les a joués la semaine prochaine. En championnat et la coupe, ça n'a rien à voir. On le voit bien en Coupe de France, où des petits clubs
de CFA national qui vont jusqu'au bout. Donc après la coupe, ça se joue sur un match. Et on sera à 90 minutes, voire 120, du bonheur. Ouais, je l'attends impatiemment, c'est sûr, parce que le Stade de France, voilà, il y aura 80 000 spectateurs. La motivation, elle sera là, il n'y a pas de doute. Après, en plus, c'est un stade magnifique. Et moi, personnellement, j'ai jamais eu la chance de le découvrir. Demain soir, ce soir déjà l'entraînement. Mais bon, ça sera une belle fête pour tout le monde et pour tous les Montpellierains qui sont montés aussi à Paris. Je sais qu'ils sont nombreux. Et on va essayer de ramener le trophée à Montpellier. Ils ont prévu 17 000 ? 17 000 ? 17 000 déclarés, parce que je pense qu'il y en aura un petit peu plus. C'est sûr que ça sera une belle fête. Autant de Montpellierains à Paris, pour ce choc un peu du sud dans la capitale, ça, c'est pas souvent qu'on va jouer des matchs comme ça. Ouais, j'ai hâte. On y pense tous, hein, mais bon. Faut pas non plus jouer le match dans sa tête 20 fois. Faudra être présent demain soir. Regarde, je te le dis. Pas comme ça. La noire, t'aimes bien deux fois. Ouais. Tu viens que la noire, toi. Ouais. Jimmy, change de maillot. Tu veux de la betterave orange, Nico? C'est des betteraves oranges. Elles viennent de Tchétchénie. Présenté. Du fromage, t'aimes bien? Excusez-moi. Oh, l'ananas, c'est bon. Ah non? Ouais, alors, l'ananas, il vient de la couper. Ah, ok, d'accord, merci. Allez, il faut 15 jours, j'ai fait le premier entraînement la veille. Ça va et tout. Je suis vrai, quand je cours, tout ça, ça va. Quand je passe le ballon, ça me fait mal. Ouais, ça me fait rire. Allez. On a eu Romain Pitot avant. On fait un en bourse, c'est ça? Et après le match, on joue Monaco. Monaco, c'est Monaco, tu joues d'entrée. Non, Monaco, je ne joue pas d'entrée. On joue Hambourg et après on joue Monaco. Monaco, il me fait rentrer à la mi-temps. Ah, ouais, on mène 1-0. Là, je reprends une cartouche, là, impossible truc. À gauche, ouais. J'arrêtais plus personne, on perd 3-2. Là, jubilé, Monaco 3-2. Et après, je ne pouvais plus. Et après, au bout de la troisième radio et je sais pas combien d'IRM, enfin découvert que j'avais une fissure du péroné. On m'a soigné pendant 3 mois pour une élongation au mollet. Fracture du péroné. Ça me fait un rebond, un tibia, but. Le lion là où on rentre. Ballon d'un peu un tacle rouge. Tu sais pourquoi je le sais? Parce que je garde le seul but que j'ai marqué contre mon camp dans ma carrière. Et lui, il est du 26 contre Lyon. Et sur le journal de. Et on retourne les deux. Cet article de Laurent Robin. Je me rappelle déjà au tout début quand on est rentré pour voir la pelouse avant le match. On était plus là à prendre des photos et à filmer le stade qu'à vraiment penser au match. Mais bon, on l'avait quand même dans un coin de la tête. Mais bon, c'était magnifique et de le voir vide, c'était impressionnant. Mais le plus beau souvenir que j'ai, c'est quand même à la fin du match quand on savait qu'on avait gagné et qu'on avait la coupe et que le stade était plein et qu'on a fait le tour d'honneur avec la coupe. C'est vraiment là que j'ai vraiment apprécié le Stade de France. Et en plus, il y avait ma famille qui était pas loin, j'avais pu les voir. Et donc, c'était vraiment ce moment-là que je garde le plus précieux. Après l'arrivée en bus, on commençait à se mettre doucement dans le match. On voyait ce Stade de France. C'était quelque chose qu'on n'aurait jamais cru en début de saison, quand le premier tour, on jouait contre Odez et qu'on perdait 1-0 à mi-temps. On n'aurait jamais cru qu'on allait
qu'on ait remporté cette Coupe Gambardella. Bien sûr, là, ce n'est pas une finale de Coupe Gambardella. Je pense la Coupe de la Ligue, là, c'est autre chose. En plus, contre un adversaire de taille, qui est Marseille, là je pense que ça sera différent. Et puis, d'un côté, là, maintenant, on est un peu habitué à ce Stade de France. Donc, on aura moins cette excitation et moins... On pensera plus au match qu'en 2009 pour la Gambardella. Je le vis, c'est une ambiance particulière parce que tous mes amis, tous mes proches, tout le monde a toujours été pour Marseille et même moi depuis tout petit. Mais bon, depuis que je suis rentré au club de Montpellier, c'est devenu mon club de cœur parce que c'est mon club formateur, c'est mon club avec qui j'ai connu une aventure inoubliable et des amis à Montpellier. Mais c'est sûr que c'est une ambiance particulière de retrouver Marseille au Stade de France. Je veux dire, on ne peut pas rêver mieux comme affiche. Et c'est vrai que je connais des gens depuis tout petit et qui, même si je suis à Montpellier, sont quand même pour Marseille. Donc c'est quand même une ambiance particulière. Ça fait maintenant 7 ans que je suis à Montpellier. Et je me sens limite plus montpellierain que marseillais maintenant. Donc je suis à fond à Montpellier et j'espère qu'on va remporter cette finale. Je pense que justement ça a été un grand plus pour moi de pouvoir évoluer à mon poste personnellement, à évoluer avec des mecs comme Mapu Yangambiwa, Emir Spahic, Nenad Zodic, c'est des mecs qui ont de l'expérience maintenant, qui ont pas mal de matchs en Ligue 1, qui sont des internationaux, donc ça a été bénéfique pour moi, ça a été un gros plus, et je pense que même malgré le fait que je n'ai pas encore fait mes premiers pas en Ligue 1, le fait de m'entraîner tous les jours avec des mecs comme ça a été énorme pour moi. On ne peut que progresser parce que quand on voit le groupe de qualité qu'il y a à Montpellier, la saison dernière, le groupe a fini 5e et s'est qualifié pour l'Europe. Cette saison, on est encore en course, on fait une finale de la Coupe de la Ligue. Donc on ne peut que progresser, c'est un groupe de qualité et de les côtoyer tous les jours à l'entraînement, ça peut que nous apporter un plus et nous permettre de grandir pour nous aussi un jour faire nos premiers pas en Ligue 1. Différent, c'est une finale de Coupe de la Ligue, c'est contre l'Olympique de Marseille et on sent une atmosphère, même si, je veux dire, depuis qu'on est arrivé, il y a bonne ambiance, tout le monde, on l'a vu à l'entraînement hier, le petit taureau, c'est joyeux, tout le monde. Et je pense qu'au fur et à mesure que les heures approchent, on va sentir une certaine concentration et certains joueurs comme Cyril Jeunechamp, qui ont déjà disputé des finales et tout, vont permettre au groupe de pouvoir la préparer comme il faut pour la gagner, quoi. Parce qu'une finale, ça se gagne. À droite, il y a marqué P4, P6. Ouais. Je me demande s'il faut pas aller à gauche et puis le coup de tourner comme ça, tu vois. Je suis sur B. 25 minutes, vous répétez. Ce qu'on vous répète, oui, mais l'entrée. Et l'entrée, il faut arriver. Non, je crois que pour nous c'est plutôt bien d'être resté entre nous. Comme ça on a pu bien préparer cette rencontre. Comme j'ai dit, eux ils ont plus d'expérience, donc ils ont peut-être pas l'obligation de se préparer pareil que nous, peut-être besoin de s'ouvrir aux autres. Voilà, nous on préfère rester entre nous
discuter, bien décompresser, parce qu'on a aussi décompressé mercredi et jeudi. Donc voilà, maintenant on commence à se pencher vers le match et ça a permis justement de revoir des actions, de revoir des actions qui sont passées où on aurait pu mieux gérer et c'est toujours bien de se retrouver comme ça entre nous 2-3 jours ensemble avant de jouer un match comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans, le club était en Ligue 2. Donc voilà, si on nous aurait dit que la première année, on allait finir 5e, jouer la Coupe d'Europe et la seconde année faire la finale, je crois qu'on aurait signé tout de suite. Donc voilà, je crois que le club est en train de grandir. Il y a tout le monde qui travaille très bien autour, à l'intérieur. Il y a un engouement qui se fait autour du club, autour de l'équipe. Donc voilà, c'est à nous aussi d'apporter ça sur le terrain pour que ça continue. Et je pense que si on arriverait à gagner demain, on aiderait, on serait là pour faire avancer le club. On sait que Marseille est favori, hein, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est la grosse cylindrée du championnat. On va s'appuyer sur nos valeurs. C'est vrai que le match au Vélodrome, bon, il n'y avait pas eu photo, on n'avait pas eu notre mot à dire, mais je dirais que sur le dernier match, des petites erreurs m'ont un petit peu gêné, parce que sur le contenu, je crois qu'au minimum, on méritait un match nul, mais bon, c'est comme ça, on l'a perdu. Mais je crois que c'est de ne pas se poser de questions. Le championnat, c'est une épreuve de longue haleine, les matchs se succèdent et c'est une compétition totalement différente. On sait que la finale de la Coupe, au bout, où on rigole ou on pleure. Hein. Donc, il faudra qu'on soit tout simplement bien dans nos têtes, pas jouer le match avant, bien se préparer pour tenir la dragée haute à cette équipe de Marseille qui reste, je le répète, une des très grosses cylindrées françaises. Voilà. Et nous, avec nos petits moyens, on va essayer de les contrarier. Ouais. On n'a pas une seconde à perdre. C'est bon.
Fais tourner, voilà. Ouais, Marco. Ouais, bien joué, Younes. On s'arrête après. Et un devant Emir et un devant le gardien, les gars. On est 6 là. On peut le faire, non? Sortez, les gars. Ans déjà, mais bon, c'est vrai que ça fait plaisir de revenir là. Ouais, la pelouse, qu'est-ce que t'en as pensé? Elle est moyenne. Il y avait un peu plus de pelouse et un peu plus de cheveux. Plus de cheveux, ça c'est sûr. Même le bout qu'il y avait. Non, elle est moyenne, c'est pas. Mais bon, c'est à faire avec. C'est important de s'entraîner la veille comme ça sur le stade. Ouais, de prendre ses repères, ouais, c'est sûr que c'est bien pour surtout pour les jeunes joueurs et puis de le voir, de prendre ses repères pour les gardiens de but aussi notamment. Donc c'est vrai que c'est important. Prêt pour cette finale? Mais ouais, c'est demain qu'il faut être prêt. Pour l'instant, c'est la préparation. Demain, on sera prêt. Merci bien. Ça va? Changé. Ah bah maintenant ça y est, ils ont fait des trous depuis que je suis passé. Ça va? Les éléphants qui sont passés. Moi je crois bien dormir. Attends, j'ai fait un lecteur. Tout est exprès sur moi. Voilà. Une demi-heure. Mettre au combat. Par contre, j'ai un maillot d'international de Moulos au tournoi de Toulon. Ouais. Même cadet aussi, scolaire. Hein. Attention, j'ai tout. Oh. Et c'est des reliques. Ah là. Ouais, non, mais ça c'est collector, ça. Oh. Cadet. Cadet. Ouais. Hein? T'as un maillot de René à Bordeaux. Ouais.
Que donné par qui? Non, en fait, non. René l'a donné à Jacques, Jacques me l'a donné et je l'ai redonné au président. Là, c'est vachement. Hey, c'est vachement... Ça fait plaisir de faire un maillot à un mec. Non, mais bon, ça va là. Et Mandanda, je lui ai dit que tu m'avais donné le maillot de Mandanda, il va pas être content. Hein. T'as joué avec Landy? Avec des placards. Ah oui, j'ai débuté. Non, mais parce que comme je joue. Louis, j'ai joué jusqu'à. Président, il est venu en quelle année à Montpellier? 77. 17, ouais. 77, 78. Voilà, c'est ça. Alors, Michel a dû venir en 78, non? Qui? Qui ça? Michel, vas-y. 79. 79, ouais, parce qu'il est revenu de Lille, puis après il est reparti. C'est Roger qui l'avait fait venir. Ah oui, c'est Henri, oui. Et puis parlons d'Indy aussi. Tant mieux. Ça, c'est lamentable. C'est agaçant parce qu'on a l'impression que tout le football français est victime du syndrome Giroud. C'est-à-dire que le match n'est pas voilà, c'est sur le maintien, surtout pas en avec. C'est bon, Giroud, quand même. Ouais, il était bon, mais bon. T'as un truc. C'est cool, les gars. Ça fait de Suzik. Oh, Miloud. Sélectionneur de la Bosnie, ça fait de Suzik. Ah. Joueur du Paris Saint-Germain, de l'AS Cannes. Comment il s'appelle? Ah putain, Miloud, là tu me déçois. Ils m'ont fait sa fête, Suzik. Là tu me déçois, Miloud. Oh, tu connais que les joueurs sénégalais ou quoi? Ouais. Oh. Tu viens de quand même? Non, mais je connais quand quel, même. Quel poste il jouait, Miloud? Dernis. Oh, Jojo, viens. Je connais Dernis quand même. Quel poste il jouait, lui? Je sais pas. Moi, je sais pas. Allez, arrête, t'es super milieu récupérateur. Oh, gardien, non? Nico, tu as vu ça? Voilà la culture des jeunes footballeurs sénégalais. Puis, ouais. Non, mais au moins, je connais. Oh, Lucien Dernis. Gros, c'est ça le plus important. Si t'as connu ça dans ta carrière, gros, t'as tout. Dans la serviette. T'aurais gagné le rugby. Cannabis. Cannabis. Je vous présente Cannabis. Cannabis. Oh, il est KO. C'est quoi? Bien, 2 minutes, j'étais devant le truc. Hop. Il me dit, mais vas-y, tu tires un bon coup, tu tapes en même temps. Oh putain. Ah, comme ça, le truc qui part. Tranquille, tranquille. On se promène, on est ensemble depuis 3 jours, ça va. On attend ça avec impatience, mais on est détendu. C'est un bon moment à passer, de toute façon. Non? Non, franchement, même pas, non. On parle de tout, mais pas de la finale. En fait, on sait que, voilà, on sait que ça va être un grand moment, on sait que ça va être énorme. Ça sert à rien de se mettre de pression inutile, tu vois. Non, t'en penses quoi? Je vais te demander ton avis à chaque fois. Hein. En plus, il va te faire un verre. On a fait corps avec le preneur. J'avais jamais vu. Faut qu'il te sente. Vas-y, il te sent, il sait que t'es gentil après moi. Il a été monté, il a brouté, il a été touché, donc maintenant il se dit que. Il aimerait bien l'approcher. Approche ? T'as pas peur comme ça, toi aussi. Toi, de faire des trucs comme ça, arrête. Vas-y, vas-y. Wallah, il mord pas, wallah, il mord pas. Vas-y, mais. Vas-y, regarde-moi. Mais faut des frères, tu me gâches la photo là. Là, tu fais comme ça, Vas-y, mon père, il est de 5 kilos là, je crois. Ah, c'est le cheval, il a eu peur, tu sais. Essayer de le réconforter un peu. Ouais, ouais, c'est comme ça. Il a eu peur, Abdé. Il est costaud, après il a peur des chevaux. J'ai pas voulu lui faire peur. Allez, va. Il est en stress. T'as vu, il est en stress, le pauvre. Ouais, il a peur de toi un peu. Hein. Je le rassure. Ouais, il est parti à la fin. Déjà, ça fait longtemps, donc on perd un peu la mémoire. Non, hier on en parlait un petit peu. Hier par exemple, on est allé au Stade de France s'entraîner sur la pelouse. Nous, on
on n'avait pas été au Parc des Princes s'entraîner, on était arrivé le jour même. Voilà, il y a quelques petits détails qui changent, autrement après, les journées ce sont les mêmes pratiquement. Quoi, hein. Avec la pression qui monte petit à petit, on connaît l'importance de ce match. Voilà, mais autrement, il n'y a rien qui change. Ben, disons non, moi, je pense pas qu'on soit stressé. C'est sûr que ce matin, il y a peut-être un peu moins de rire, un peu moins de plaisanterie, mais on sent des garçons concentrés. Je pense pas qu'il a peur. C'est bien d'être comme ça. Faut pas le jouer avant, surtout pas. Donc c'est pour ça qu'ici on a un cadre magnifique. Ça fait 3 jours qu'on est là et pour l'instant tout se passe bien. Quoi. Ben, la bonne manière, c'est quand on la gagne. En fait, les petits conseils, on peut en donner bon, sur du placement. Et surtout, je pense que ça va se jouer sur l'aspect psychologique. Il va pas falloir qu'on recule. Eux, ils ont des joueurs de grosse expérience. Enzo, tout ça, ils savent quand il faut mettre le bordel. Nous, là, il va pas falloir qu'on recule. Il va falloir qu'on soit présent à ce niveau-là. Et je pense qu'on va l'être. Non, c'est... Là, on vient de faire la marche, on est déjà à midi et demi, on a collation, causerie, et puis on part au match. Quoi. C'est une journée classique dans son contenu. Après, c'est sûr que c'est un événement particulier, c'est une finale. Mais bon, en championnat, c'est les mêmes journées. En termes de qualité de jeu, moi je suis, pour répondre à votre question, un petit peu stressé par rapport à la qualité de jeu. Arrête-toi là. Ouais, please. Vas-y. Hein? Ouais. Un deuxième aussi. Oh putain. Juste pour avoir ce qu'il disait, j'ai mis 15 dollars en gros. En gros, la musique coûte 15 euros. C'est mon public qui est. Qui ça? Oui. Ah, ils avaient pris 30 points, je crois, au début de saison. C'est le premier match. Ouais. Normalement, c'est toi bien. Moi, tu mets un quart d'heure. Bah. Ah, ouais, tu vois. Et au moment donné. Il est là. Là, on a fait la promenade. On a 20 minutes pour aller jusqu'à la collation. 3 quarts d'heure pour se préparer, aller à la réunion et puis en étant habillé, quoi. Costard et tout. Donc voilà, là, la pression commence à monter, petit à petit, tranquillou, juste la bonne. Voilà, bon, on est vraiment impatients. Ça fait 3 jours qu'on attend ça, donc voilà. Quoi. Ce Stade de France, quand même, quelles impressions?
même s'il était vide. Ouais, il était vide, ouais. C'est, bah, la pelouse, un peu déçu parce que bon, ils font toutes sortes de manifestations, de spectacles et tout dessus, donc même le rugby. Donc ça l'abîme un peu. Après, par rapport au stade, il est exceptionnel. Contre Marseille à la Mosson, il y avait 25 000 spectateurs, je crois. Là, il y en aura trois fois plus. Donc, bon. Le stade entier ne sera pas acquis à notre cause, mais bon, c'est pas grave. On espère que les 20 000 payadins feront un maximum de bruit, en tout cas. Là, on fait les affaires et puis on se préparera après. Et puis, en même temps que le costard quoi, et compagnie, le petit polo qui nous a été fourni. Donc voilà, là, il va falloir qu'on prenne les serviettes. Parce que je sais pas si Eric nous a pris les serviettes hein, pour le Stade de France. Voilà, sinon on va pas oublier de prendre le petit savon, le petit nécessaire de couture. Hein, belge ? Tiens, oui, mon pantalon. Ça, c'est le recto. Maintenant, faire le verso. J'ai pas eu le temps de le faire en Montpellier. Allez, la paillade. Parce que sur le premier côté, j'ai fait un petit message d'amour à ma famille et à la DME. Et sur le dos, il faut que je fasse une dédicace à la paillade. Voilà, le tour est joué. Ouais. Regarde-le, il est torse nu. Vas-y, filme-le, il n'y a pas de gel. Regarde comme il est costaud. Bah ouais. Non, mais c'est moi. Fais voir ce que t'as fait. C'est sympa, non? Bah ouais, c'est cool. Voilà. T'as fait à la règle. Ça, c'est... Pour ma famille et la DME. C'est quoi la DME? Ah, si tu savais. Ce soir, ce sera encore un niveau supérieur avec, avec tous ces supporters qui ont fait le déplacement et avec toute l'équipe. Maintenant, c'est d'autres sensations, d'autres émotions, je pense que je vais découvrir, mais voilà, ça restera que magnifique et j'espère garder un super souvenir de cette finale et pas rester sur un échec. Qu'est-ce que t'as ressenti justement quand t'es revenu au Stade de France? Ben, ça m'a fait bizarre quand même de voir cette pelouse que je connaissais et de me dire qu'en deux ans j'ai parcouru du chemin, j'ai franchi quelques paliers et j'espère ne pas m'arrêter là et pouvoir continuer encore à grandir et revenir tous les deux ans si c'était possible. Qu'est-ce que tu veux, c'est le match le plus important de notre jeune carrière. Non, Belge? Bah ouais, pour l'instant, ouais. Voilà, donc c'est quelque chose d'extraordinaire, on savoure vraiment ces moments-là. Et voilà, ce serait vraiment bête de passer à côté. Et j'ai vraiment envie de ramener cette coupe sur la place de la com et vraiment communier avec le peuple montpelliérain. On n'y pense pas parce que on se fait tellement des idées, des images de joie dans notre tête que ouais, on n'envisage pas la défaite. Mais pour moi, ce sera, enfin, personnellement, si je peux parler pour moi, ce sera une grosse déception, même si c'est vrai qu'on n'est pas favori et qu'on a peu de chances de la gagner. Mais au plus profond de moi, j'estime qu'on a autant de chances que Marseille. Soyons vigilants de ne pas tomber tout simplement dans la roue. Ah, c'est un événement extraordinaire à disputer, hein, devant beaucoup de monde. Il va y avoir beaucoup de regards sur nous, entre nous, sur le terrain, présence, engagement, volonté. On loupe un truc, tout le monde loupe quelque chose. On n'en tient pas rigueur, on s'encourage, on se bat les uns pour les autres, hein, on se défausse. Un petit mot à la fin, vous verrez, il n'y a que ça de vous. On va attaquer dans la composition suivante, les gars. Tout le monde voit. Laurent dans les buts. Gary, Benji, Map, CC. Ok. Jamel, Romain. Younes, Jo côté droit. Soulé côté gauche. Olive, dans l'axe. Ok, les gars. Je vous l'ai dit, défensivement, j'insiste toujours là-dessus. Gary, CC, Benji, Map, on a un rôle à remplir.
soyons bons dans ce qu'on a à faire. Soyons bons dans ce qu'on a à faire. Avant d'en rajouter. Olive qui va, Olive, te fais pas manger. Toujours par rapport, comme tu l'as fait dimanche dernier, mais ne laisse pas partir. Hein? Donne-lui la possibilité de le prendre au couloir, et après on vient filer un peu. D'accord ? C'est important. Et puis, la phrase, elle n'est pas de moi, mais elle est bien vraie. Seul la victoire, il faut qu'on s'y habitue. Même si on n'a pas l'habitude, il faut qu'on s'y habitue. OK ? Alors juste, un petit peu exceptionnellement, c'est pas... On va regarder une petite vidéo qui doit nous servir juste pour être en confiance. Hein ? Très simplement, c'est nous, il n'y a pas de piège. C'est le regarder tranquillement, il n'y a pas de triomphalisme, il n'y a pas de... La finale n'est pas passée encore. Regardez ça un petit peu, mais de savoir se persuader qu'on est capable de faire des choses intéressantes. Champion's Car, c'est des petits ça, non? Allez, avance. Ça, j'ai trop mis. Voilà. Attention les gars. Attention les gars. Reculez. On va faire un tour de ce avec quelqu'un. Tu vas voir le bus, c'est un réseau, hein. Yeah!
c'est beau un stade comme ça quand même. Hein. C'est beau un stade. Ah, il est sublime, il est sublime. On peut le pas dire. Hein. Mais ça va, on va passer. C'est bien, c'est sympa. Enfin, j'ai vu que les Marseillais sont pas mal non plus. Hein. C'est normal, ils ont plus de palmarès que nous. Allez les gars, allez, allez, allez! Allez les gars, bon échauffement! Hein. Allez, au cœur! Thank you.
voilà, c'est sûr, quand on voit tout le monde qui a, tout l'engouement qu'il y a autour du match, ben, c'est clair qu'on est déçu de ne pas être sur le terrain, mais voilà, maintenant on fait abstraction de ça et on est tout cœur avec l'équipe. Et j'espère vraiment qu'on va gagner ce trophée, parce que ça serait vraiment quelque chose d'énorme pour le club. Et on attend ça avec impatience et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Bah, c'est clair que quand on repense à il y a 3 ans, on a failli descendre en national et maintenant on se retrouve à jouer dans un stade où il y a 80 000 personnes. Bah, c'est là où on se dit que voilà, dans le football, tout peut aller très vite. Et voilà, le tout maintenant, c'est de bien savourer cette finale et de tout faire, de vraiment mettre tout ce qu'on a dans le ventre pour gagner cette finale et ramener la coupe à Montpellier. C'est clair que ça sera vraiment quelque chose de formidable pour le club d'avoir éliminé des clubs comme Paris, des clubs comme Lille qui sont super bien classés, et de pouvoir gagner Marseille ce soir, ça serait le top. Donc voilà, on est de tout cœur avec l'équipe. Voilà, l'équipe, il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés, qui ne peuvent pas jouer, mais on est tout cœur avec eux et on espère vraiment qu'on va gagner. Ah, c'est beau. Bon, vas-y, il y aurait besoin de Marseille, mais bon, ils sont là. C'est beau. Mais avant tout match, on se sent toujours bien. Après, il n'y a que la réalité du résultat qui fera que. On est en finale, on aimerait la ramener, parce que ce serait un échec de ne pas la ramener, mais non. On est là et on est fiers d'être là.